Wow, pippity dippity. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'Amil et Hugo. Et aujourd'hui, on va se faire un nouveau morceau de Kobalade en featuring avec Freeze Corleone, hein, qui est peut-être le MIP MVP de l'année. On verra. Là, c'est les rats. La menace fantôme. On verra ça au Amine Hugo Awards. Oui. Les awards les plus importants du rap. Bah oui, les plus légitimes. Les plus passionnants. Les plus passionnants. Les plus longs aussi. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Oui, il y a beaucoup de choses. Eh oui, on se fout pas de votre gueule. Mais... Alors le morceau s'appelle 7 sur 7, peut-être une réponse à Damso qui dit qu'il n'est pas un rappeur du dimanche. Ah, on ne sait pas. Putain, tu vas te capter, parce que j'étais encore sur le montage tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe? Koba qui a annoncé son album là du coup. Ah, détail. Qui voit l'âge? Qui voit l'âge? Oh, qui voit l'âge? Ouh, qui voit l'âge? Qui voit l'âge? Du coup, le 23 octobre. Détail qui vient de Kobalade, c'est Kobala Détail. Exactement, tu es bien renseigné, toi. Ah, je suis renseigné dans le milieu de la drogue. Et du coup, on a pu voir la cover très très jolie avec ce masque. Il dit un peu, tu sais, l'esthétique qu'avait Kobo. Kobo, tu sais, avec un masque et des dreads, là. Le rappeur belge. Il avait sorti un projet l'année dernière, c'est ça? Exactement, période d'essai. Période d'essai, ouais. Très bon en plus. Mais c'est Kobo ou Koba? En plus, on n'est pas loin. Non, on a la même racine. Kob. Voilà. Et voilà, là, on a un des singles, parce que je pense que c'est pas le premier single qui sort, hein, Koba. Avec l'homme du moment, Freeze Corleone, qui ne cesse d'appuyer sur le game. Jusqu'à être cité à l'Assemblée. Et de le terroriser. Jusqu'à être cité à l'Assemblée. Roselyne Bachelot, est-ce le Roselyne? Elle a dit c'était. Mais elle a quand même dit que c'était un rappeur très talentueux. Oui. Incroyable. C'est énorme. Le rappeur Freeze Corleone, de son nom Issa Lorenzo Diakaté, un talent indéniable. Mais viens, Roselyne, viens sur le canapé. Viens, Roselyne. On va écouter du son ensemble. La tata rose. Donc c'est un son qui a été clippé, donc on va mettre le clip. Tout à fait. Le clip va être important dans ce shit. Et voilà, bon, c'est vrai que la collaboration, on l'avait vu venir du coup depuis les photos. Et oui. Qui ont leaké, ainsi que début août. Les petits plans là de clips aussi qui ont leaké. On les voit dans une espèce de parking, enfin bref. Freeze tout en Burberry, petite écharpe, lunettes Cartier, très soigné le boog. Là, ça va être chaud de ouf, mec. Freeze Corleone. Bon, on va en parler tout à l'heure. Je pense qu'on va en parler vite fait là, mais traumatisant. Ok. C'est parti pour l'écoute de Kobalade featuring Freeze Corleone. Let's go. 7 sur 7. Let's fucking go. Let's go, bitch. Putain, mais mec, t'as laissé trop de trucs enculés dans la vidéo. Dans la conquérance, frère, enlève-le. Mais non, parce que je trouve que ça peut être un nouveau mot. Mais c'est une faute de français énorme. Oui, mais ça peut devenir un nouveau mot. Ah, wazin, putain, le visuel a l'air incroyable. Okay. Ah, ok, il part dans la pop rock. Oula. Oula. Si y'a pas de mecs cool, que des mecs qui bossent à barbe ou ton cul. Des fois, je me dis que je fume trop, mais pour le milieu à remplacer mon cœur. Je bombarde sur Paname, je suis en Lamborghini, les vents en Uber et je me moque. Comme d'hab, ouais, c'est nous like. Comme d'habitude, nous mêle pas du tout. J'ai pris des thunes, pas d'habitude. Shenzhen Koba, Chief Kif Fredo. On est là pour le cash, pétasse, file vite les dos. Très loin dessus deux comme si je visite les deux. J'ai fait un rêve où j'ai exécuté 10 000 pédos. 6-7-7, S-O-B-S, Negro, S-O Next Level. 2-2-1, D-K-2-9-3-9-1. Aucun stress, fan match 9-1. S-O Jack Money, S-O Juicy P. Tous mes triplos J du 9-1. Signe de gang comme les Crip et les Blood. Devant comme Aubameyang et la casette. Négro, ils savent comment je me sens dans la A7. Un solo rond, on sait ce qu'il y a dans la cassette. On fait du bif avec ou sans la SACEM. On investit dans des méthodes, la pierre. Négro, je demande la même chose à chaque prière. Équipe 7 sur 7, ça fait du cash toute la semaine. Shenzhen, Koba, on a leur coup sous la semelle. J'ai deux sous ma semelle. Des liasses dans ma chaussette. Mes pieds qui sont clairs. Équipe pour le bénéfice de la semaine. Pour le bénéfice de la semaine. Équipe
mec, un adlib, déjà ça fait la diff. C'est grave, frère. C'est très très grave, Fris Corleone, faut se rendre compte les gars. Fris Corleone, comme l'a appelé Roselyne. Ah ok, Fris Corleone. Incroyable. Ah putain, c'est... Ouais, voilà, c'est Fris quoi. Bah, là, c'est l'aura actuelle qui continue, il est dans son prime, il est dans sa zone, on a déjà parlé. Hein. Quand t'es comme ça en tant que rappeur, bon bah tout ce que tu feat, tout ce que tu touches devient de l'or. Voilà, faut en profiter. Voilà. Il faut en profiter. Faut profiter de tous ces featuring qu'il donne. Là en plus récemment il y en a eu un avec la F. Oui. Pff, la violence là, mon dieu ce son. Prends les prods en missionnaire, billionnaire, au minimum millionnaire. Chicago comme billionnaire et Suzuki mais j'arrive en billionnaire. Instru j'enchaîne élimination. Respecte pas les limitations, dans le jeu je vois des clones et des imitations. Oh, en fait là à chaque featuring c'est une masterclass. C'est pour ça que tu dis faut profiter et c'est une era, voilà, mmh. C'est une era parce que l'album est tellement incroyable et retentissant qu'il faut aussi se faire les featuring, tout ce qu'il peut donner. Et bon, le son en soi, voilà, Koba il débarque, le même délire, toujours la même chose, les mêmes placements, frère, les mêmes placements. C'est Jimmy, je devine son flow, c'est, voilà, c'est son style. Mais personnellement, ça y est, c'est washed. Ça bah en fait, c'est ans, ça, là, c'est que plus. Moi, en vrai, en soi, j'ai rien contre Koba. Je le trouvais divertissant au début, j'aimais bien. Après, c'est mais juste que j'ai. Ça y est, ça m'est passé. J'avais vu limite un axe de renouvellement et en fait, il l'a totalement. Sur quoi? Sur les. Quand il avait fait des sons, tu sais, où il parlait de voiture, là. Oui, on avait fait, ça ressemblait. Mec oui, Féfé. Oui, voilà, Féfé. Féfé, je me souviens. Féfé c'était chaud, non mais en fait il y avait vraiment des axes. Je me disais putain il a peut-être trouvé son truc et tout. Enfin un truc qui pourrait lui permettre d'être ouais, différent et surtout d'apporter de l'intérêt à sa musique. L'intérêt et aussi un peu de diversité. Et là mais c'est du... voilà, ouais, c'est de la recette qu'on connaît depuis 3 piges quoi. Donc bon bah pour moi ça stagne. Mais en fait le problème c'est que c'est une recette qui de base n'est pas assez riche pour être étalée sur 3 ans. Ah oui, c'est très récent. Si, voilà, si ça avait été une recette riche... Okay. Mais il aurait pu l'enrichir. Ouais. Voilà. Après, putain, la perf de Freeze, mais attendez. Alors, déjà, les références, soit footballistiques, basket, Aubameyang, Neymar, Lacazette, les Bucks, les pédophiles. Oui, je sais, c'est incroyable cette line en plus. J'ai fait un rêve dans lequel j'ai buté 10 000, 100 000 pédophiles. Ouais, 10 000 pédos. Le mec veut le disque d'or de kill de pédophiles. Il veut le strike. Oh, d'ailleurs, top 1. Il y a aussi. Bah, moi, ça me fait penser là, quand il dit ouais, bientôt on investit dans les entrepôts. Bah, ça y est. Eh oui, on le voit dans l'entrepôt. Il est à l'entrepôt. Ouais. Et puis. La calme, la pure. Et puis, c'est les placements sont tellement chirurgicaux. Ouais. Non, mais faut se rendre compte à un moment donné, les gars, c'est du placement. Mais comme on en fait rarement dans le rap français, avec Alpha One qui peut rivaliser avec lui, vraiment. On l'a bien vu sur Rap Catéchisme. Mm-hmm. Et puis il donne du rythme à la prod. T'as l'impression que c'est une nouvelle prod. Et non, c'est la même prod. Mais c'est juste qu'il donne du rythme, il la découpe. Ça donne un rythme effréné incroyable. Et putain, le visuel est lourd. Mais après, il a surtout un charisme de voix en ce moment qui est incroyable. Et d'ailleurs, j'aime bien. Le fait qu'ils mettent... Il y a des effets, il y a une sorte de filtre déjà, je trouve. Ouais. Et il y a un effet aussi, je pense qu'on entendra plus au casque. Sa voix, elle est doublée en mode voix démoniaque derrière à un moment. Mmh. Tu vois. Et je trouve que ça le fait. Et surtout, ça va super bien à Fris Corleone. De par la cohérence avec son délire de secte, son délire complotiste. Mais la voix démoniaque, elle est présente elle aussi est, sur LMF. Exactement. Mais oui, mais on n'en avait pas... On n'en avait pas parlé. On avait parlé. Si, on l'a relevé ce truc-là. Ah ouais, je me souviens plus. Mais il l'a mis aussi sur Projet Bluebeam. Oui, elle est sur Projet Bluebeam aussi. Mais là-dessus, elle était aussi. Mais avec un filtre un peu différent. Et aussi, je trouve, il a un filtre différent sur sa voix au refrain. Par contre, au refrain. Putain, le refrain est chaud. Je trouve que les voix de Freeze et de Koba matchent bien ensemble. Ah ouais. Ouais, je trouve que ça va, tu vois. Je trouve que ça passe et même, en fait, finalement, je trouve que Koba il est intéressant sur le refrain, en fait. Parce que comme il a, mais je pense qu'il pourrait être intéressant sur des refrains d'autres artistes. Il l'est, hein.
Ouais, il a donné des refrains sympathiques. Là. Juste des refrains, il pose pas le couplet. Ouais, il pose des refrains. Parce que je trouve que c'est. Du coup, soit comme blaze, je me suis lassé. Soit avec sans blaze, il lâche pas. Ouais, ouais, okay. Il est chaud. Parce que comme je me suis lassé, on va dire, sur de la longueur, sur des couplets, par contre, je trouve toujours sa voix un minimum divertissante et il a toujours une particularité. Chose. Voilà, sa voix, elle est différente de toutes celles du game. Et donc, avoir des refrains de Kobalade. Je trouve que ça pourrait être intéressant d'en faire sur que d'autres artistes lui demandent juste de poser des refrains en sachant que ça va, il sait choper des bonnes mélodies aussi. Ouais, c'est vrai. Donc c'est tout ce qu'on demande à un refrain, d'être catchy, d'être entraînant et d'avoir une particularité par rapport au reste du morceau. Donc entraînant, il sait trouver des bonnes mélodies, particulier par rapport au reste du morceau de par sa voix qui dénotera avec tous les autres artistes qui peuvent poser sur les couplets, tu vois. Voilà, je pense que je peux me satisfaire de ça. Après, c'est vrai que quand il a couplé, ça y est, le délire est passé, c'est bon. Je rencontre lui, mais malheureusement, voilà, c'est trop. Ça y est, c'est pas assez riche pour être étalé sur 3 ans. Ouais, voilà, en fait, il faut un album avec que des hooks, et des refrains. Des refrains et des feats. Je pense qu'il va blinder de feats son album. Ouais, je pense. Weshden, ce soir, les gars. Voilà. Weshden ce soir les gars, et oui, vous pensiez qu'on avait passé à côté, et ben non. 16 Ah là 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 là. These girls only 16 years old. Let's go. Putain, bon, dites-nous vous ce que vous avez pensé de ce morceau 7 sur 7 de Kobalade featuring Freeze Corleone. Dites-nous ce que vous attendez de l'album. Voilà. Toujours. Alors j'aimerais bien s'il y a des fans de Kobalade, ils me disent pourquoi ils sont fans et pourquoi encore aujourd'hui ils trouvent de l'intérêt à attendre un album de Kobalade. J'aimerais avoir, parce que nous, voilà, nous on n'y trouve pas d'intérêt, mais j'aimerais l'avis de personnes dans les commentaires. Qui constructif disent, toujours. Évidemment, toujours constructif, pas juste j'adore donc j'écoute. Mais qui me disent pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ils attendent encore Kobalade. S'il y en a. C'est vrai. Je pense qu'il y en a quand même un minimum. En 2020. Voilà. On se retrouve pour une prochaine vidéo, n'oublie pas de vous... Waouh, ça déraille. N'oubliez pas de nous rejoindre sur nos réseaux sociaux qui sont... Mnugo1 sur Twitter, Mnugo sur Insta. On se retrouve pour une prochaine vidéo, d'ici là, prenez soin de vous. Peace.